Dans la mythologie japonaise, il existe plusieurs légendes qui s'étendent sur une très longue période de temps sur une créature mythique qui a la capacité de dévorer les rêves et les cauchemars des gens. On l'appelait le Baku. Les origines du Baku remontent en réalité au 9e siècle, dans le folklore chinois. La créature connue sous le nom de Mo avait été désignée comme une sorte de chimère mythologique dotée d'un corps d'éléphant, de yeux de rhinocéros, de la queue d'une vache et les pattes d'un tigre. Ce n'est que plus tard, autour du 14e siècle, sous la dynastie des Muromachi, au Japon, que la créature connue sous le nom de Baku fut pleinement introduite et reconnue dans le folklore japonais. Comme la plupart des créatures mythiques issues de la mythologie japonaise, l'apparence du Baku varie beaucoup. La description la plus courante de la créature la dépeint d'ayant un corps d'ours, une tête d'éléphant, des yeux de rhinocéros, une queue de bœuf et des pattes de tigre. Mais malgré son apparence monstrueuse et grotesque, le Baku est en réalité vénéré en tant qu'esprit bienveillant et est considéré comme l'un des saints protecteurs de l'humanité dans les traditions japonaises. Dans les anciennes légendes chinoises, il était dit que celui qui chassait et tuait un Baku pouvait par la suite utiliser une couverture faite de sa fourrure pour se protéger des mauvais esprits. Au fil du temps, cette pratique a évolué et au final, la peau du Baku n'était plus nécessaire. Une image de la créature, ou bien même encore son nom, gravée au-dessus du lit, était suffisant pour repousser les mauvais esprits. Ce n'est que plus tard, lorsque les légendes du Baku se rendirent au Japon, qu'il fut perçu comme un mangeur de rêves. On disait que lorsqu'une personne se réveillait brusquement suite à un mauvais rêve ou un cauchemar, celle-ci pouvait appeler le Baku en prononçant trois fois le nom de la créature et en lui demandant de manger le rêve ou le cauchemar qui la tourmentait. Alors, le Baku entrait dans la chambre de celui ou celle qui l'avait appelé et dévorait leurs mauvais rêves et au même passage chassait les mauvais esprits et les mauvaises influences qui causaient le cauchemar en premier lieu. Dans l'histoire du Japon, le nom et l'image du Baku ont toujours été utilisés comme symbole de bonne fortune et de protection. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, il est possible de voir des oreillers et des têtes de lit qui affichent le nom du Baku. D'ailleurs, autour des années 10 et 20, il était courant pour les enfants japonais de garder en tout temps avec eux un talisman du Baku à leur chevet, pour assurer une bonne nuit de sommeil et pour contrer les mauvais esprits. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas non plus abuser de la bonté de la créature. La légende raconte que si on appelait le Baku sans cesse, il était possible qu'il ait encore faim après avoir mangé un cauchemar. Et si c'était le cas, il pouvait alors dévorer l'espoir et les désirs des gens, laissant ceux-ci dans un état de vide intérieur qui pouvait profondément les bouleverser. Aujourd'hui, les représentations modernes du Baku dans la vie de tous les jours et dans notre culture populaire sont assez répandues. Nous pouvons par exemple les apercevoir assez souvent sous forme de sculptures décoratives sur certains temples Shinto. Ils ont également servi d'inspiration et de référence pour les artistes et apparaissent dans certains mangas et animés ainsi que plusieurs autres histoires qui tournent autour des rêves en général. Alors voilà, ceci conclut la vidéo sur le Baku. Si vous avez connu cette créature mythique à travers une série, un roman ou par n'importe quel autre intermédiaire, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu. Sur ce, merci encore à tous et à toutes de suivre la chaîne et on se retrouve d'ici peu pour une nouvelle vidéo.